Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Ce soir, je me propose de tester un nouvel objet que m'a envoyé Gearbest, mon fournisseur principal d'objets en tout genre. Cette fois-ci, il s'agit d'une micro-enceinte Bluetooth autonome, puisqu'elle a une petite batterie, et elle a un seul bouton. Vous pouvez le voir. Donc là, je viens de l'éteindre parce que c'est la quatrième vidéo que je fais pour cette présentation. Donc je la rallume. Donc, elle se compose d'un ensemble haut-parleur, d'un bouton, d'un petit voyant LED et d'une prise USB. Que dire de plus? En théorie, on peut aller jusqu'à 10 mètres de la source sonore. En pratique, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque nous, au-delà de 5 mètres, ça commence à décrocher. Alors ensuite, est-ce que c'est un problème de tablette? Est-ce que c'est un problème de PC? Je ne sais pas. On va tout de suite écouter un petit peu le son. Donc, j'ai prévu de vous faire passer ça par un PC. Et comme vous voyez, c'est un PC sous Linux. Mais ça, c'est pas très grave. Donc, je vais vous faire écouter le son du PC. Alors là, c'est le son... Le son des haut-parleurs du PC, vous allez tout de suite entendre la différence avec la baffle. Donc là, c'est le mini haut-parleur. Vous montez un petit peu le son. Le son se règle avec l'émetteur. Donc il n'y a pas absolument aucun bouton sur cette baffle. Tout se fait depuis votre téléphone mobile, depuis votre PC, depuis votre tablette. Il n'y a absolument rien à faire. Donc je remets un peu le son. Ouais. Son du haut-parleur, son du PC. Vous notez la différence. Il y a beaucoup plus de basse. C'est le son à mon oreille beaucoup plus sympa. Donc j'ai fait d'autres tests dans la rue pour voir ce que ça donnait. C'est pas. On va baisser le son sur mon. J'ai fait d'autres tests dans la rue pour se rendre compte est-ce qu'on peut écouter dans la rue. Franchement, il vaut mieux que ça soit quand même pas très très bruyant. Pour l'estrer dans la rue, j'ai utilisé du dubstep et vous verrez, il y a une petite surprise dans les images qui vont suivre. Que dire de plus sur cet objet? Pas grand chose, il fonctionne très bien, on n'a pas de problème. Contrairement aux images qu'on peut voir, plonger dans l'eau. Moi, je tenterai pas l'aventure de plonger dans l'eau. Bon. Ensuite, je crois avoir vu qu'elle était censée être main libre. Ce n'est. Alors moi, j'ai pas réussi à la faire main libre. Dans un commentaire sur le site de Gearbest, c'est marqué que oui, il y a une prise micro. Je la cherche encore. Moi, j'ai pas vu. Donc je ne sais pas. Bon, après pour le prix c'est honnête, hein, c'est du Xiaomi. Le Xiaomi c'est quand même quelque chose de reconnu pour sa qualité en Chine et les Chinois apprécient beaucoup cette marque. Et voilà. Alors, si vous aimez bien mes vidéos, vous avez le droit de mettre un petit pouce j'aime. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, c'est toujours sympa. Et ça rassure ceux qui m'envoient des gadgets, parce qu'on me dit, il y a que 20 abonnés. Il y a que 20 abonnés, parce que vous êtes juste de passage. Il y aura d'autres vidéos de test, et plus vous aimez ma chaîne, plus il y aura de vidéos de test, puisque je commence à être contacté par d'autres boîtes. Donc, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Je rêvais de faire ça. Cliquez ici. Et sinon, un petit pouce bleu par là. Merci beaucoup.